Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Crusader Kings 3. On reprend ta dernière fois après la capture de ce petit comté et surtout notre défense contre la fameuse guerre sainte contre les Abbassides. Guerre sainte qui a été très coûteuse pour eux, parce que c'est eux que j'ai saigné, plus eux que moi. Et donc on se retrouve aujourd'hui effectivement pour la suite de notre campagne sur Crusader Kings 3. Alors, à savoir que deux choses. Un, vous voyez que ma piété est à un niveau jamais vu. Normal, j'ai cherché un mode pour mettre la culture hellénique, j'en ai pas trouvé. Donc, je me suis donné 100 000 points de piété, comme ça j'ai de la marge. Avant de me les donner, j'ai dépensé l'intégralité de ma piété pour préparer une guerre contre les Abbassides. Hier, je vous avais promis une chose, qu'on allait se venger. Et ben aujourd'hui on va se venger. Bon d'accord, ça va me coûter, il se peut que ça me coûte un bras. Quoique, 94 000 de prestige. Voilà, donc ça, on va y aller, on va raser pour de bon les Abbassides. Vraiment à total. La seule chose que j'ai pas pris, c'est dans l'Oural. Dans la Russie. Je suis allé ici jusqu'au fleuve là. J'ai pris revendication jusqu'à la Volga. Comme ça, après, je récupérerai le royaume des Zaporogi pour intégrer chez moi. Et comme ça, on aura effectivement une expansion romaine plutôt importante, je dirais. On va déclarer aussi la guerre contre Salto. Salto ayant pour but de récupérer ses deux petits duchés afin de sécuriser mon duché d'Afrique. Par rapport à ça, bon, vous avez déjà vu que Taher est en pleine guerre civile, bon ça on s'en fiche. Jérôme de Magray a gagné, donc ça c'est principal. Donc on va pas s'ennuyer dans cet épisode-là, où le but est de accomplir ce qu'on n'a pas pu faire hier, c'est-à-dire enfin restaurer l'Empire romain. Les meilleures femmes ont besoin de meilleure qualité, monseigneur. Hop, voilà. Cadeau. Voilà. On a armé. Objectif aussi de mon côté. Tiens, un restaurer l'Empire romain, ça c'est pas une surprise pour tout le monde. On va écouter un récurrent. Alors. Ces réseaux s'enrichit grâce au commerce, actionne les œuvres l'arbre de la côte byzantine. Héliopolis. C'est une de mes cités que j'ai gardées, donc non. J'hésite, j'hésite. Et bon, on va faire ça. Comme ça, je perds pas ma ville. Alors, une traque nous pourrons maintenir l'ordre par nous-mêmes, assez convenu pour nous organiser, éviter tous ces morts. Une paysanne du comté. Honneur de vous rejoindre, je vais donner l'occasion de prouver sa valeur. Vas-y. Forme de l'ordre, voilà, on va renforcer l'ordre des Templiers.
Et surtout, alors, bon, avant de déclarer ça, on va juste regarder quelque chose. 4 mois. 4 mois. Les défenses sont à peu près en place. Quelques petites forteresses quand même pour tenir l'invasion ennemie. Ça devrait tenir quand même, si jamais ils attaquent on devrait être capable de tenir. Donc ici au sud sans trop de problèmes. Comment c'est... Ouh, ici par contre c'est pas très bien fortifié. C'est quand même plutôt fortifié avec... Ouais, ici c'est plutôt bien fortifié avec les... Là, ça en est bon, ça en est bon. Ici, pas trop mal. Ça n'est pas trop mal, c'est plutôt bien défendu. Là, les frontières là, sont plutôt bien défendues. Ici, bon, là on avait déjà remarqué que c'était un peu léger, mais bon. Ça peut être bien, créer une marche. On va améliorer fortification. J'ai pas besoin que tout soit fortifié. J'ai juste besoin que la frontière soit fortifiée. Bon, ça c'est prêt. Ici, alors lui il est en guerre. Personne contre qui hein? Sultanat de Nubie. On va déclarer une guerre sainte pour récupérer l'émirat là. Est-ce que j'en fais une pour récupérer là? On va récupérer. De toute façon, il faut qu'on fasse quelques guerres. Lever l'armée locale. Voilà, le temps de se remettre un peu en partie. Bon, d'un point de vue technique, pour moi j'aurais dû déclarer la guerre aux Abbasides, mais pas à priorité pour le moment. Diplomatie, voilà. C'est bien, c'est bien. Écrit un poème, un artefact combat et rage. Okay. Hop, on va envoyer la flotte. Comment il se passe? Comment ça se passe? Bon, il est en train de la perdre cette guerre. Il va avoir un changement de pouvoir là-bas.
je crée une... Même en changeant de religion, il faudra vraiment que je crée un truc... Directement vulgaire, je prends. Bon, du... Alors ici, on est plutôt bien construit, on va continuer à développer nos petites villes. En fait, l'objectif de pourquoi j'ai déclaré la guerre en priorité au... Toulinid, c'est une raison très simple, c'est pour éviter que Damo récupère ça et que ça réintègre maintenant les Abbasides, tout simplement. En gros, indirectement, ça me... Ma famille plus 15, tiens, c'est bien ça. J'ai oublié tout ce que donnait tout ça comme bonus. Ça m'évitera de cette manière-là de d'éviter de le rendre trop puissant, oui, tout simplement. C'est un d'être chez moi, ça brise. Exact. Hop, on va continuer à monter nos hommes. Et d'ailleurs, ici, il n'y a pas un autre truc qui pourrait être bien comme bâtiment? Regardez. Oh, je crois que j'ai tout et tout bien. Hein. Et dans ce comté. Eh. Oh non, très bien. J'ai pas besoin de plus. Nickel. Guerre qui a aucun sens. Ah, Kagopolis, bâtiment construit. Et ça? Par contre, moi, il contrôle toujours ici, donc... Votre sœur Adélaïde a bu jusqu'à en mourir. Pas de regarder. Ah. Le reste, c'est juste ces mariages de mes petits enfants, de ma lignée directe. Ma lignée est tellement grande que maintenant, c'est plus que du. Oh, bordel.
devrait vraiment vite dégager. Sinon, j'attrape son armée, je le défonce. Hein. Je suis en train de. Je suis gentil, je récupère juste un tout petit morceau de son territoire, un duché, en contrepartie, j'explose ses adversaires. Moi, je trouve ça fair. Hein. J'ai un pute d'intérêt sur le territoire en contrepartie de le sauver. Sacré passe forte celle-là par contre. Ma vie ne sera jamais à l'ombre des autres. Laissez-moi plutôt rejoindre l'ordre d'Alcantara et servir Dieu. J'ai beaucoup réfléchi à la question. Très bien. Si tu veux y aller, je te laisse y aller. Le stress, tout le stress que ça provoque. Ici, main de fer. Les animaux, moins 25% de stress, je prends. Ils sont envers un peu par tout le monde. Là, c'est en train de changer en Afrique, hein. Subsaharienne. C'est en train de... Ah merde. Pas trop chaud que d'aller là-bas. Alors, est-ce que je peux développer? Oh, j'ai pas. Hop. Ah, c'est ça. Il voulait bien récupérer cette partie-là, donc j'avais pas arrivé. On va construire ça. Ça, on va accorder un noble de ma femme. De mon pays. Et on va faire. Quoi? J'ai pas le. Gag.
ça existe plus ce bordel. Oh, tu vas récupérer, vas-y. Mec, je vais même te transférer un vassal. Je crois même que je vais même te transférer lui. Je vais te transférer un petit peu à Numidi. Hop, tiens, tu vas prendre lui aussi. Parce que le sultanat d'Égypte en fait a trop grossi. Il a trop grossi vers le sud. C'est pour ça. Bon, ça en est bon. Et ben, maintenant qu'on a fait cette petite guerre d'échauffement, on peut se. Alors. On peut. Partir pour la guerre qu'on souhaitait tous. 1,2 million. La guerre que tout le monde veut depuis longtemps. La guerre. Qui va décider, est-ce que c'est l'Empire Byzantin, alias anciennement Empire de France, alias l'Empire Romain, enfin prochainement l'Empire Romain, ou les Abbassides qui gagneront cette guerre. On a bouffé lors de la dernière guerre, on a gagné, et cette fois-ci, ben, on va y aller avec toutes nos armées. On va lever des centaines de milliers d'hommes. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordres, 8 ordres de chevaliers. Les Templiers seront plus forts. Est-ce qu'ils sont plus. Hop. On va recruter ici. J'appelle. Le Danemark, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide également. On va peut-être aussi appeler des mercenaires, parce que bon. Là j'ai déjà quelques centaines de milliers d'hommes, mais on va appeler des mercenaires en plus. Recruter pour 14 mois. C'est-à-dire qu'en plus là j'ai tous les mercenaires. Ah c'est la plus grosse guerre là. La guerre qui décide de quel des deux empires gagne. Bon après je perds, ce serait pas trop grave. Bon par contre... Ça va prendre une plombe, parce que j'ai tellement d'entités à gérer, il y a 1,2 million d'hommes à gérer, ça prend un peu de temps. Asknut, roi Samonde, reine blanche. Impressionnant comme le jeu est optimisé. Quand on déclare des guerres, il y a tellement d'hommes qu'il y a du mal à gérer. Encore 20 jours. Un million deux compte quasiment 900 000 hommes. Je vous cache pas que j'avais préparé hors stream, j'ai passé une demi-heure à prendre toutes les revendications. Des trucs qui sont chiants, et après on va passer je pense une demi-heure à retour distribuer les terres.
Ouais, l'armée élevée. 1 200 000 hommes. Je prends la mer. Alors là, il y a, je pense, ça va me coûter 10 000. Au moins 10 000. Oh, ça aurait coûté 12 000, ça me coûte que 7 000. Ça va? Penser à fortifier frontière. J'ai aussi redonné les petits morceaux qui manquaient. Lui manquait, je lui ai redonné les 2-3 morceaux qu'il n'avait pas, qui étaient à la Hongrie. La Hongrie, je lui ai redonné le duché de Nitra, aussi hors stream. Ici, je sais pas comment j'ai fait, j'ai découvert qu'ici, il avait récupéré ça. Donc, est-ce que c'était suite à un héritage ou autre? Je sais pas comment il a récupéré un duché qui était à la base de la Pologne. Pas grave. Bon, je kifferie, vous en faites pas, on est deux. Voilà, on est tous dans la même situation. Le jeu a beaucoup de mal à gérer quand il y a beaucoup d'entités en même temps. Du voyage dans même pas un mois. Mésopotamie. Mésopotamie, Anatolie. Récemment débarqué, j'arrive là-bas dans. Ah bah ça sera bon. Les 30 jours qui j'ai débarqué assez loin, donc le malus quand j'arriverai dans la région aura disparu. Opinion d'un père vassal. Est-ce que ça veut dire si on est tous les deux ducs ou même seigneur liège, on a plus 15 relations entre nous? J'avoue, je connais pas. Jamais trop fait gaffe à ça. On va péter les armées. Les petites batailles que je viens de livrer là, c'est pas encore les grosses. J'aurais dû plus fortifier avant. J'aurais fortifié davantage, ça aurait été mieux. Bon, au moins l'énorme armée qu'ils m'ont envoyée à Jérusalem et dans mes royaumes là. On est en train de la démolir. Allez, 120 000 hommes de tués déjà, 25 000 encore. On prolonge. Je vais pas vous mentir que là, on va prolonger. On va pas réfléchir, hein. On prolonge tout. Ça, par contre, c'est tout qui est mal fait. C'est que t'as pas un bouton général où tu peux appuyer reprolonger tous les mercenaires. Ou pareil, un bouton recruter tous les mercenaires disponibles. Est-ce que... Est-ce que sur le coup là... On a déjà perdu combien de milliers d'hommes? 200 000 hommes déjà abattus.
Avec un peu de chance, je peux développer le trait herboriste, ça serait bien. Non, je l'ai pas eu, tant pis. On s'en fiche de la bannière. C'est pas où sont les armées de mes alliés. Ah, ils sont en train de combattre là-haut. Ok. Ils sont en train de... Tiens, haute cour pour... ouais, pour être un bon vassau, il pourrait être un... Un bon chevalier, on va pas dire non. Bon, déjà dans le sud, ouais, il y a quasiment plus de troupes, on va... Maintenant, c'est nous qui avons accéléré un peu, on va faire les sièges, et on va gagner cette guerre, et... On va comme ça éventrer les Abbassides. On va éventrer tout ça. J'ai même pas vu que j'étais toujours en positif, tellement je n'ai que mis solide maintenant. Hop, on va augmenter encore les impôts, toujours plus d'impôts, toujours plus d'argent. Ah, ils mettent quand même beaucoup de temps quand même à assiéger. 14 mois, 7 ans, 2 ans, 7 ans, 18 mois. Ouais, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. J'ai quand même les défenses que j'ai là-haut font qu'ils ont du mal à assiéger, donc... Le temps qu'ils assiègent, j'assiège beaucoup plus vite qu'eux, je prends beaucoup plus vite que les villes. Ouais, en 18 jours, en 20 jours, je prends des villes. C'est pas des petites villes. Ça suffit qu'il y avait un héritier en plus que je capturais dedans. Fini. Après, ben, y aura l'Empire Perse. Hein. Après, prochain adversaire, après l'Empire Arabe, l'Empire Perse. On peut continuer vos sièges, vous êtes... Ils siègent trop lentement. Puis j'ai mes alliés au nord en plus qui empêchent la principauté, le royaume de Kiev, russe, de pouvoir venir sur mes arrières et capturer au niveau de la Moldavie ou autre. Nickel. Hop, on peut apprendre plus de langues. Pagmir, c'est la bulle de Pagmir. Ils ont pris en fait deux villes. Ben, chers amis, je crois qu'on a gagné cette guerre contre nos ennemis jurés. On attend qu'ils acceptent le traité de paix.
Et ben voilà, je crois que les Abbassides, voilà. Voilà. Jack. Oui et non. En fait, le jeu reflète, on va dire, le Moyen-Âge, dans sa globalité. Donc, de l'an 867 jusqu'en 1452 de mémoire. Donc, t'as tout ce qui est croisade, des années 1100, qui est possible. T'as tout ce qui est les invasions nordiques. Donc, au début, en l'an 800, effectivement, les invasions nordiques de l'Angleterre, des côtes normandes ou autres. T'as tout ce qui est la Reconquista espagnole. Donc, on peut parler un peu de croisade de l'Espagne à ce niveau-là. T'as tout ce qui est les royaumes africains. Donc, oui, t'as une partie quand même beaucoup croisade. L'intérêt d'une croisade, c'est les guerres faciles. Je peux te facilement te montrer ça. Tu fais une guerre sainte, soit tu récupères un duché complet, soit un royaume complet. Mais j'ai envie de dire, le jeu global, c'est surtout un jeu de gestion dynastique. Ça y est. On va pouvoir restaurer Rome. Amis romains, compatriotes, écoutez-moi. Après la reconquête miraculeuse des antiques provinces perdues depuis des siècles, l'Empire romain a ressuscité de ses cendres. L'Europe a connu des temps difficiles, depuis que les barbares ont pris d'assaut les frontières impériales, mais désormais un âge d'or resplendissant a commencé pour l'ensemble de la civilisation. Là où de nombreux prétendants grecs ont échoué, il a fallu qu'un bourguignon pour restaurer l'Empire des Grecs. Imperium Romanus a retrouvé sa force et sa gloire sous un nom, règne éclairé, prêt à répandre la civilisation, la sécurité et la lumière de notre cité sur aux quatre coins du monde connu, pour le Sénat et le peuple de Rome. Merci Ultimedo. Vous obtenez le trait Auguste, opinion vassal plus 10, le titre Empire romain est construit. Et en fait, tous les titres d'empire qui étaient intégrés dedans sont détruits. D'ailleurs, j'aurais dû récupérer l'empire abbasside avant. Tant pis. On va récupérer Rome. On va pouvoir faire l'event que j'avais préparé, Roma Invicta. Ouais, totalement. Après, en l'an 8, si tu commences empereur byzantin en l'an 867, c'est assez simple. Parce qu'en fait, à part l'Empire bulgare qui est un adversaire, mais tu peux assez facilement le défaire. Tu peux rapidement en fait faire pas mal de guerres saintes contre des adversaires plus faibles que toi et rapidement récupérer en fait tout ce qui est perdu. Hop. Voilà. Nous, on récupère maintenant. Et maintenant, on va bientôt pouvoir faire des légions romaines à l'époque suivante. Ensuite, deuxième chose. Parce que j'avais quand même préparé avant le stream, c'est pour ça que je m'étais give autant. Hellénique, c'est où? Après, oui, si tu commences comte ou duc en 800, ça sera facile, hein, dans tous les cas. Alors par contre, faut que je fasse un truc avant de faire ça. Parce que j'ai en train de percuter et que tout le monde me déteste parce que j'ai beaucoup trop de titres. J'ai trop de duchés. Faut d'abord que j'administre l'Empire. J'aurais créé tous les duchés de royaume et d'empire. J'aurais un empire romain qui aurait bien grandi. Hop. Ouais, il devrait faire un bouton créer tous les titres disponibles. Alors, là par contre, on va pas s'ennuyer. Là où on va pas s'ennuyer, c'est que. Je sens qu'il y a une loi qui a pété. Bon, le jeu qui a freeze, c'est bien.
Ah punaise. J'ai plus le trait égalité. Ah c'est ça, j'ai plus le trait égalité. Bon, ça a complexifié un peu, c'était pas prévu. Chez de cordofan, non, comté de cordofan. Oh, ça va être long à trier, tout ce bordel. Un petit peu. Je crois que je vais donner des titres de royaume, ça sera plus simple. Rush, ouais, hop, t'as récupéré ça, t'as récupéré tout ce qui est là aussi. Quoique, ça m'arrange pas de donner tout ça. Ouais, je crois que je sais comment je vais m'y prendre. Je vais donner royaume par royaume, ça, parce que là, il y a trop à administrer, ça va être trop chiant à tout donner. Royaume du... Tuc, 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 tuc. Royaume de Syrie, je m'en fiche. Royaume d'Alep, je m'en fiche. Pagmir, Ejab. Le parti la plus chante, c'est ça, après une guerre. Géorgie. Arménie. Abbasside, je m'en fiche. Mésopotamie, c'est pas ça que je cherche. Yémen, voilà. Ah, quoique, c'est bien. Le problème, c'est que si je donne tout au même. À côté, je pourrais donner le royaume, comme ça, je me pose pas de questions derrière. Ouais, c'est ce que je me dis. Le problème, c'est que si je prends pas le temps là de bien administrer, bien donner et bien séparer le pouvoir à tout le monde, c'est ce qui peut se passer. Donc c'est pour ça que je vais prendre le temps. Ça me du Yémen, il est vers la fin, j'avais remarqué. Caucase, royaume de Caucase. Royaume de Yémen. Après, bah c'est... j'ai raté le royaume de Yémen. Ouais, c'est la partie. Hop, il a récupéré ça. Bon après je m'en fiche. Déjà l'event que j'avais pas encore testé a fonctionné. J'ai oublié de cocher la case. Je pourrais. Sauf que je me suis rendu compte d'une chose, le problème de donner à la famille. C'est que quand t'as des héritiers qui ont prétention sur ton titre d'empire, parfois ça fout le bordel. Oui, j'allais dire je devrais.
Sincèrement, t'as moins de soucis avec des vassaux familiaux, mais paradoxalement, ça change rien. Je me suis rendu compte qu'avec l'expérience. Après, à rigueur, ce que je peux faire. Ouais. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant, mais oui, après, c'est sûr, j'ai 1000 et quelques membres de dynastie vivants, je devrais faire ça. 1582. De toute façon, prestige ou autre, là, au stade où j'en suis, la guerre que je viens de déclarer, qui d'un point de vue technique devait m'a coûté un bras, c'est ça. Et pour dire, à mon avis, c'est le dernier épisode, je pense, de la campagne de cette saison. Hein. En fait, tous les modes que j'ai mis sont ultra intéressants et ont amené, de toute façon, à ce combat qu'on a amené là, donc contre l'Abbaside, hein, 1,2 million contre 900 000 hommes. C'est ça, c'est qu'en fait, 400 000 là, 300 000 là, c'est un potentiel d'1,4 million. Ah, les Abbasides étaient la dynastie qui pouvait m'arrêter. Maintenant qu'ils sont tombés, il y a même plus d'histoire de. Le royaume du Yémen, je vais te donner toi. C'est la fin. Hop. Ah, comme ça, tu m'administres tout ça. Je me pose pas de questions. Toc, 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 toc. Royaume de Syrie. Alors, Damas. Avec quel mode? Alors, sors ton calepin, il y en a 40. Deux. D'ailleurs, faudrait que je les mette sur mon Discord dans la section mode. Non, il y a des modes un peu de tout. Il y a des modes de culture, ou plus de culture. T'as des modes comme là, le mode qui permet de restaurer Rome, enfin le trait romain. Donc la culture romaine permet d'être restaurée une fois qu'on a tout. J'ai des modes J'ai un mode qui rajoute plus de bâtiments qui rajoute le fait que je puisse avoir plus de bâtiments. J'ai un mode qui modifie mon inventaire. Donc pour mettre stocker des choses là. J'ai un mode qui permet de fusionner des reliques avec les armures. J'ai un mode qui modifie la cour royale. En gros, là où les 5 trucs par défaut sont là-dedans, et j'ai 5 trucs différents, un truc pour la guerre, un truc pour la bureaucratie, un bibliarium et un grand trésor. Bon, ça coûte cher. Voilà. J'ai un mode qui rajoute énormément de traits. Donc, par exemple, voilà, tout ce qui est maréchal, etc. Donc avec l'expérience, c'est des choses qui s'acquièrent. J'ai un autre mode qui me rajoute énormément de traits de base. J'ai un mode qui fait que tous les bons traits sont hérités et qu'aucun mauvais trait ne sont hérités. Donc comblé avec le mode qui rajoute plein de nouveaux traits, ben ça fait que finalement j'ai des personnages qui sont fumés de base. Il y en a tellement. J'ai des modes graphiques, j'ai des modes de tradition où je peux en avoir 20. 5 par R. J'ai des modes où l'expérience, je la débloque 3 fois plus vite pour tout ce qui. 2 fois plus vite. Qui est là. La liste, j'ai une énorme liste, donc j'avoue te dire de tête tout ce qu'il y a, c'est compliqué. Alors, oui, Damas, je vais accorder à un de mes enfants. Alors, ok. Parc de l'Anatolie en priorité. Ok, bon, on va partir en Anatolie.
peux pas. Il y a le mode Metropolis aussi. Alors, on va commencer par toi, tu récupères ça. Après, il y a certains modes que je voulais mettre qui malheureusement non ne fonctionnent pas. Donc j'ai dû les enlever, hein, tout simplement. Hein. Il y avait des modes économie ou... Ah, attendez. Bien évidemment, il n'y a même pas de logique. Toi, par contre, je vais te refiler un truc, toi. Ah, punaise. Après, le problème... Je sais que si je refais le truc, je ne remettrai pas le mode... Les modes très dynastiques, j'enlèverai. Tous les traits que ça rajoute en plus, j'enlèverai le mode golden. J'enlèverai peut-être le mode golden, je laisserai tous les traits que j'ai rajoutés en plus. C'est un peu fumé, très golden. Je modifierai sûrement les ratios d'expérience dynastique ou haute par rapport à ça. Pour à peu près retrouver à peu près un niveau de jeu, on va dire, équilibré. J'ai bien à peu près. Alors, royaume. C'est pas que c'est déséquilibré. C'est pas que c'est déséquilibré parce qu'à majorité. En fait, tous mes modes, excepté celui qui permet de recréer l'Empire romain et de récupérer la culture romaine qui est limitée à toi. Les IA ont accès aussi. Regarde, je vais te montrer un exemple simple. Ah, ils ont 15 traditions aussi. Les IA ont aussi les mêmes sortes que moi. Donc ce qui fait qu'au final, on est sur le même pied d'égalité. Par contre, pourquoi je ne remettrais pas? Bah, c'est l'optimisation du jeu. Enfin, on a vu dans cette petite guerre qu'on vient de faire. Enfin, petite. Une guerre à 2 millions d'hommes. En fait, on se rend compte que malheureusement, le jeu a du mal à suivre. Et voilà, après, c'est une réalité, malheureusement. Donc d'un côté, c'est sympathique parce que ça fait que tout le monde... Et sur le même pied, donc c'est voilà, la guerre qu'on vient de se faire où j'ai 1,2 million d'hommes, c'est lié au mode. Après, le problème c'est que ce qui s'est passé, c'est le problème qui s'est passé là dans la partie là, c'est qu'au final tu te rends compte, t'as généralement les empires de début qui restent et en fait qui vont jamais chuter. Donc au final, t'as le gars du début qui est toujours là et qui fait son bordel. Après, voilà, rien qui change, plus ou moins. Ça change quand même un peu le jeu, ça rajoute... Mais après, voilà, c'est qu'après, toi et Valeur, je gagne 3000 par mois. J'ai désarmé 1 million. En fait, l'avantage, c'est que tu réduis... Enfin, aujourd'hui, le recul que j'ai par rapport au mode que j'ai mis... aujourd'hui, si j'enlève ce côté où tu as autant de constructions possibles ou autres... Et tout le côté tradition, surtout... En fait, ça va faire qu'il y a beaucoup plus...
de puissance équivalente. Donc ça va beaucoup plus équilibrer les batailles plutôt que laisser en fait un camp gagner. Donc je pense moi a posteriori que c'est plus intéressant de faire ça de cette manière là. Moi je veux te transférer un vassal. Oui, j'avoue que j'agrandis le royaume de Jérusalem. Je vais te donner un exemple très simple. Mais pas mal de remonter bien loin pour exemple là. Alors attends, juste que je tenne ce royaume. Le Saint-Empire. Donc j'ai commencé roi de Bourgogne. Enfin, comte. Bah, mon comté initial est ici. Enfin, j'ai créé mon duché. J'ai récupéré pour faire royaume de Bourgogne, il te faut ça, 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 ça. J'ai récupéré après, il est parti un peu en grattant ce rétro de royaume. Avec ça, j'avais plus de puissance que Saint-Empire, que les empires francs à l'ouest, donc la France, l'Aquitaine, que la Haute-Aringie, que le Saint-Empire. Voilà. Et j'avais que ça. Les deux autres qui étaient plus puissants que moi, c'était... Enfin, plus puissants. C'était l'Empire byzantin qui était à prendre en équivalence de force avec moi, et c'était les Abbassides qui étaient largement au-dessus. Et les Abbassides, à 2-3 fois, j'ai dû calmer les Abbassides avec les lignes de commande parce qu'ils étaient en train de récupérer. Ils étaient partis un peu en cacahuète pour prendre le reste. Donc j'ai tenté d'équilibrer comme je pouvais. Hein. Je suis le premier à le dire que j'ai pas forcément dû équilibrer comme il fallait. Hein. Mais après, voilà, c'est. Ah, c'est Assyrie cette fois. Duché d'Antioche en premier. Ouais, voilà, j'ai envie de dire, c'était le but de cette saison, c'est de se faire plaisir. Hein. Dire, attends, là, on vient quand même de faire une guerre à 1 million d'hommes. On s'est foutu sur la gueule de quasiment 900 000 hommes en face. On a dégommé 600 000 hommes. Enfin, 500, 600 000 hommes. C'est quand même agréable de se dire, on a fait une guerre comme ça. Duché d'Alep. Ici, il doit y avoir le crâne des chevaliers. Exact, ici. C'est ça. Après, voilà. Bon, je veux dire, faut pas. Moi, j'ai aucun mal à dire. J'ai pris un grand plaisir, moi, avoir fait cette partie. Hein. Après, voilà, c'est. Bon, après, juste être réaliste, hein, à un moment, il faut admettre les bons modes et les mauvais modes. Ah, si tu fais gaffe, j'ai trois personnes qui... Tu fais gaffe, je donne pas de terre à ceux qui ont des... Qui pourraient avoir des prétentions pour mon titre d'empire. Regarde. Lui... ont des prétentions sur mon titre d'empire. Le problème c'est que si je commence à leur donner un peu de pouvoir, enfin, moi je suis du principe là, je préfère cutter, éviter qu'ils puissent récupérer un moins de parcelles de pouvoir pour éviter la guerre civile. Ah, il y a le duché. Après, de toute façon, il faut finir cette campagne avant la sortie du DLC, parce que certains modes ne fonctionneront pas tant que DLC sortira. C'est ça, t'as totalement compris. Et bien évidemment, j'ai oublié de lui donner deux trucs. Voilà, je lui donne quand même... C'est mieux. Palmyre, je crois qu'il n'est pas attribué. Ça.
En plus, il y en a qui ont des prétentions sur la couronne d'Angleterre, j'ai quand même évité de leur donner quoi. Ah, et Damas va récupérer. Partez trop loin. Ouais, j'ai à peu près deux bonnes forces ici. Ensuite. Ferry, Bagdad, est-ce qu'il y a à côté? En fait, c'est le problème. C'est ce truc qui est un peu chiant dans le jeu. Or, c'est le côté aussi qui est intéressant. C'est le côté géopolitique. Alors, attendez, j'ai vu la mec. Donc, c'est-à-dire que c'est cet endroit-là. J'irai plus. Le plus important dans le jeu, c'est les mariages. C'est vraiment le plus important, les mariages. En fait, en mariant les bonnes personnes aux bons endroits. Alors, Crusader Kings 2 est encore plus fumé que celui-là. Faut quand même dire ce qui est. Mais en gros, si tu te maries aux bonnes personnes, tu peux facilement, avec des héritiers, récupérer plusieurs royaumes ou autres. Avec des héritiers communs. Tu peux rapidement, en fait, créer vite un très très grand empire. À lui le royaume. Vraiment, c'est ça. Bon, je vais donner un exemple très simple. Quand j'étais roi de Bourgogne, enfin quand j'étais encore duc, j'ai marié l'un de mes héritiers à l'Empire byzantin. Ils ont été en guerre ou autre, j'ai déclaré, quand je suis devenu roi, j'ai déclaré la guerre à l'Empire byzantin, j'ai mis en sorte qu'un de mes héritiers soit sur le trône. Donc au final, après, j'avais l'alliance quasi systématiquement avec l'Empire byzantin, donc quand j'avais un problème, j'appelais l'Empire byzantin à appel, à rescousse. Et problème réglé. Darfour, non. Bien un homme toi. C'est le royaume de Darfour, donc ça m'énerve pour un point. Voilà. J'allais dire pour... Hey. Pour deux trucs, c'est quoi? Je vais même pas m'embêter. Encore une fois. Ah, enfin. Hop, 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 hop. Et voilà, je veux dire pour deux duchés, j'ai pas embêté. Hein. Tac tac tac, rectum machin, ensuite. J'ai vu que c'était la Géorgie le suivant. Ah bah tiens, c'est un membre de la dynastie, lui.
Pareil, après, avec certains mariages, enfin, tu peux tellement parfois abuser en faisant certains mariages, c'est impressionnant. Le royaume du Caucase, je vais lui donner ça et je vais redonner ça au royaume du Caucase. D'ailleurs, je crois que j'ai donné un truc qui n'était pas du bon endroit. Tant pis. Là, par contre, c'est un truc où je suis chiant, c'est que moi, je veux absolument respecter les frontières historiques. Ensuite, ça appartient au pont, hein. D'origine. Hein. Comptez, 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 comptez. Un vassal, tu récupères ça, toi. Alors. De ma dynastie, oui. Mossoul, comptez là, donc c'est le duché là, non. Hop, bingo. Après, les parties les plus intéressantes, c'est quand même de commencer quand tu commences en bas de l'échelle. Ça t'apprend un peu les règles de les magouilles politiques derrière. Parfois, moi, je cache pas que je préfère être un roi avec plein de royaumes, sous un empereur, comme ça je fais un peu ce que je veux. Ah, tu m'étonnes, à Fourberie. Ça, c'est sympa. Bah. Un truc que j'aime bien, c'est quand c'est en 1066, en tant que roi de Castille, tenter de résister au complot de ton frère du royaume de Léon qui veut récupérer ton royaume et t'assassiner. Le battre, bien évidemment, pour récupérer ses terres. Une fois que j'ai fait ça, ben après je suis tranquille.
En fait, alors, je pense qu'avec le temps, ça va se développer, mais pour moi, ils ont beaucoup plus développé d'autres aspects du jeu d'aujourd'hui que celui-là. Toute façon, on testera le DLC quand il sortira. Bon. On testera le prochain DLC qui vont sortir. Bon, 30 € le DLC, je cache pas que facture fait mal. On va voir, hein. Peut-être que c'est un banger et que le DLC il est génial, mais j'avoue, je suis sceptique quand même. C'est comme le dernier DLC d'Europa Universalis, hein. Après, enfin, quand il repense un peu à Crusader Kings 2, je me souviens avoir joué au début du jeu. En fait, avant que t'aies tous les DLC, le jeu il était quand même un peu vide. On est bien d'accord, 30 € le DLC. Je suis en train de me prendre la tête pour un royaume où ils sont que où il y a que deux duchés dedans, bah basta. Hein. Tiens, hop, voilà. Voilà. Je vais pas me prendre la tête plus longtemps. Ah ouais, ça c'est rattaché à ça. C'est quoi? Arménie, tu veux grandir? Tiens. Cadeau d'harmonie. Alors moi je le dis honnêtement, hein, je ne prendrai pas le DLC. Je joue un peu Europa Universalis, alors il y a des choses que j'aime pas forcément dedans, mais j'avoue que les derniers DLC sont très bien. Après c'est ce que j'ai toujours, le jeu il y a des problèmes d'optimisation et c'est une catastrophe par rapport à ça. Hein. Après, un jeu Paradox, pour moi, il faut le prendre quand c'est en promo. Faut jamais l'acheter plein tarif. C'est ça, quand il y a une réduction Steam, moins 50, moins 75%, ça, en plus c'est assez régulier quand même que ça arrive avec les jeux Paradox. Là il faut prendre l'occasion de le prendre. Alors pour ceux qui aiment le genre, alors bien évidemment, ça, je reviendrai toujours à une règle d'or, ne prenez le jeu que si vous aimez le style Paradox. Hein. Si tu commences à t'amuser à prendre le jeu Paradox, t'as du mal avec ce style de jeu ou t'as jamais testé avant. Pas aux po porte ouverte à tout le monde. Est-ce que j'ai c'est bien ce que j'ai vu, Naven, de m'aligner ici. Tac, 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 tac. Deux heures? C'est sous 2 heures, hein? Un jeu Paradox ou 2 heures. Enfin, t'as du courage, hein. Moi, pour tester un truc en 2 heures, sincèrement, enfin, un jeu Paradox, je teste pas en 2 heures. Hein. En fait, c'est tellement. Or. Autant sur certains jeux comme. Non, de mémoire, c'est. Faut jouer de moins de 2 heures. Hein. Avoir acheté depuis moins de mémoire, c'est 2 heures maximum pour avoir joué au truc, puis après t'as plus le droit de demander un remboursement. Hein. Alors si je me trompe, je suis la première ravie de m'être trompé, mais.
Y a des jeux où tu en 2 heures tu te fais un avis, il y a des jeux où tu te fais pas. Par exemple, je te donne un exemple, je prends Police Contrebande, je crois, ou Contrebande Police. En 2 heures tu te fais largement un avis du jeu. Jeu très bon d'ailleurs, très très bon jeu. Mais voilà, c'est un jeu où pour moi je pense qu'en 2 heures tu te fais un avis. À l'inverse, t'as des jeux où en 2 heures tu te feras pas d'avis. Je prends un jeu à histoire type Spyro, type Crash, type Final Fantasy. Le problème, c'est un jeu à histoire, donc tu te fais pas un avis en 2 heures. Bon, après, je pense que certaines personnes trouveront l'occasion de me contredire en me disant « Ah, si t'aimes pas le gameplay ou autre. » C'est pas faux, si t'aimes pas le gameplay du jeu ou autre. Par contre, à la base, c'est quand même un jeu à histoire, donc normalement, t'as pris le jeu, c'est pour l'histoire qu'il y a derrière. Pote ami, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Bon, je vais donner un exemple de jeu T'es sûr qu'en 2 heures tu peux savoir si ça te plaît ou pas, tu prends un Call of Duty ou un Battlefield. C'est des FPS. Soit t'accroches, soit t'accroches pas. Point, ça, y a pas. Y a pas de débat par rapport à ça. Hein. Duché. Alors après, duché de Koufa. C'est ici. Attention sur un trône, lui, pareil. Il n'a pas de prétention. Hop. Ouais, on s'apprend un de ces temps. Et on va dire non, lui. Et roi d'Irlande. J'avais failli faire une connerie de donner ça au roi d'Irlande. Ça en est bon. Donc le royaume de Mésopotamie, on va l'accorder à lui. Au moins le truc historique, j'ai un royaume. Alors ça, c'est un peu un vassal de fait vu que c'est ma famille que j'ai mise sur le pouvoir, mais d'un point de vue technique, c'est quand même ma famille qui est quand même au pouvoir et j'ai fait mieux que Trajan. J'ai un empire plus grand que Trajan, donc. Au moins. J'ai quand même réussi au moins ça. Duché de Damos. Ah, c'est bon.
C'est bon, on a retrouvé le duché qui me manquait. Duché de l'ami, hop. Transférer. Alors ça peut je veux dire, au royaume de Chypre, je peux lui accorder, hein. C'est pas un truc qui prend beaucoup de place. Hein. Hop, voilà, je veux dire pour un seul duché, autant que je refile le titre de royaume. Alors ensuite, duché. Ah bah toi, avoir fini, ça a pris un petit peu de temps. Et... Duché de Mora, hop, de Dadura, autant pour moi. Après, on réforme la religion, hein, parce que là, sincèrement, ça commence vraiment à m'agacer cette religion. Ensuite. Ah, ensuite, ça c'est un royaume tout petit. C'est quoi toi, tu as récupéré ça? On est simple, hop. Donc j'ai encore ça. J'ai encore combien de petites trop de duchés, ça va. Qu'il faut que je rase ça. Bref. Normalement, si je veux maintenant convertir, quasiment tout le monde l'accepte. Nickel. Donc, autrefois, hellénique. Voilà. Heureusement, la décision de me convertir, me s'arranger pour qu'un flamand vienne à la cour et dirige les rites, alors que reste... Bon, peu importe la force de mon zèle, je peux me rassurer en sachant que la majorité de mon pays est unie derrière les dieux. Un authentique pays hellénique. Wow. Voilà. Je vais me chercher de l'eau, j'arrive.
Ouais. Maintenant, c'est pas ça, mais... Et récupérer Rome. On est à l'épisode 8, 4, donc 8 streams, ça a pris. Donc un stream de 2 heures, ce que j'avais dû couper plus tôt à cause du mauvais temps. J'ai eu raison parce que 10 minutes après que j'avais coupé le stream la semaine dernière, j'avais plus d'internet. Donc ce coup-là, j'avais eu le nez creux. Voilà, maintenant. Je règne sans égal dans le pays, se crée un style avec des nouveaux vêtements, bijoux resplendissants. Seuls les meilleurs velours et ermites pour moi. Hop, vendu. À toi, finir. Et on va excaver le dernier. Voilà. Ça a pris du temps et là de toute façon il va plus rien trop se passer. Hein. Voilà, déjà ça évite déjà des soucis. Là, j'ai réussi à faire freeze le jeu. Ça, par contre, la totalité de l'ancienne province de Syrie-Palestine a enfin été libérée des griffes cruelles des barbares et a intégré l'Empire romain. Un grand triomphe sera réservé à ces héros qui ont réalisé cet exploit avec courage, que leur nom résonne à travers l'éternité. Et là enfin, je peux nommer qui je veux en tant qu'oracle. Voilà. Punaise. Ça a pas de prix. Y a juste plus rien à faire. Oui, ça a totalement pris du temps, hein, mais... Qu'est-ce qui se passe encore? Comment vous voulez que j'ai peur de ça? Après voilà, je peux avoir une revendication facile dessus vu que c'est un membre de ma dynastie. Voilà, écoute, il a créé l'Empire de Kiev. J'aurais créé le royaume, mais j'aurais créé le titre dans. En fait, j'aurais créé les titres avant, ça aurait été transféré chez moi. En fait, tous les titres d'empire sont transférés lors de la création dans ce truc-là de l'Empire romain. C'est-à-dire, de jure, tous les royaumes de tous les empires que je possède sont devenus de jure de l'Empire romain. Par exemple, les Carpates, c'est devenu l'Empire romain byzantin, de France, Saint-Empire, de Britannie, tous les empires d'Ibérie, d'Italie, etc. Prêtrise d'Arès. Oh. Alors, regarde, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi créer.
Compagnie hellénique de Pedroche, je connais pas, je sais pas qui est Pedroche, mais... Hop. Ah, réformer la culture. Vraiment plus. Après, je pourrais mettre le dans ma culture et truc pour faire les guerres Saint-Infini, pour les royaumes ou autres, mais. En fait, y a même plus de change. Genre. Et l'Empire Abbaside, qu'est-ce qui lui reste? 150. Pff, ouais. Hop, fini. Voilà. Hop, 3 d'events. Je ne lis même plus les events. Porto vendu. Hop. Alors, suivant. Ah si, je sais comment je peux m'y prendre. Voilà. C'est comme briser un trade. Je me demande si on va pas changer de jeu, parce que j'avoue que là j'ai... Autant j'avais hâte d'arriver à ce stade-là, de créer l'Empire romain, c'était un peu ce qu'on avait visé depuis le début. Les traîtres. Autant là, maintenant que je l'ai créé, en fait je vais juste récupérer à papoter et démolir à papoter. À l'époque, j'avais un event de récupérer les provinces impériales perdues. De toute façon, Mare Nostrum. Ma petite Mare Nostrum à moi. Ah oui, c'est vrai qu'on peut lever des armées pour piller.
C'est vrai que ça c'est bien ça. Des armées pour piller les terres. Temps pour intégrer, pour récupérer déjà l'Afrique dans l'Empire, ça sera déjà un bon début. C'est possible de déclarer la guerre pendant 7 ans. Et quoi? Truc, gardien de château. D'ailleurs, on n'a même pas regardé, j'ai débloqué des nouveaux pichéries par rapport au piqué. C'est génial. On va détruire ça, on va détruire ça. Peut-être que la prochaine saison, ce que je ferai, c'est que je ferai des modes, mais que sur Empire Romain. La province d'Égypte a été retrouvée. Bien évidemment, vu que c'est moi qui ai la récupéré. En fait, il faut savoir que tout avec le mode que j'ai, tout l'Italie passe d'office à Romaine. Et par défaut, c'est 40%. J'ai mis à 70% la valeur de tout l'Empire passe Romain. Ce qui fait qu'au final, il y a comme une bonne partie de l'Empire qui est romaine. Tiens, j'ai remetté d'un comté. Comté de Berger. Ah. On va faire un petit complot contre le pape.
Quand t'es mauvaise, peut-être que tu peux peut-être juste l'aider pour qu'il meure plus vite. On peut avoir plus de chance de succès. Alors. Il se fait envahir. Ah, encore 9 ans de rêve. Oh, et puis merde. Hop, maintenant. Ah, ça récupère. Ah, merde, ça vassalise, putain. Juste envie de dégommer ça. J'ai plus de pape. Plus de papauté, plus de problème. La culture romaine et la culture supérieure, ça si les gens en doutent. C'est pas ma faute. Voilà, le latin est devenu ma langue de cours. Nickel. Vous pensez que ça se cumule, ce bordel? Ah non, ça se cumule pas! On s'en fiche! Récupère Sirenaï. Démanteler l'Empire que le Vatican brûle. Voilà.
La tyrannie des Galiléens sur l'Europe est enfin terminée. Pendant des siècles, ces vulgaires adeptes ont eu le loisir de dénigrer et de dégrader les vieux monuments de nos protecteurs divins. Mais cette époque est révolue. En restaurant l'autorité hellénique sur l'Europe et dans la péninsule des nous avons écrasé le cœur de l'église du dieu charpentier. Urbanus, s'accrochant encore au titre non mérité du pontifex Maximus, a été crucifié au milieu des ruines brûlantes du Vatican. Ainsi s'achève la lignée indigne des pontifes chrétiens de Rome. Vous devez gagner 500 de piété, la papauté est détruite, la foi hellénique à ferveur est augmentée de 50, le pape est tué, ferveur catholique moins 100, a perdu le trait œconique, a perdu le trait spirituel, n'a plus de chef. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Bon, il y a plus grand chose maintenant que j'ai fait ça. Plus vraiment grand chose maintenant qu'on a fini ces guerres. Vraiment plus rien à faire. Alors, recruter les hommes d'armes Palatini. 225, 88, 25, c'est de l'infanterie lourde. 228, 88, pas de poursuite et 25 de reste. Si je compare à mes gardes des palais. Si je compare à ça. Ah oui, quand même. C'est quand même fort. Bah tiens. Hop là. Amélioré de combat. Par contre, les gendarmes, je ne pourrais pas en avoir. Tant pis. En 100 années. Ouais, donc en gros en 300 ans, on a recréé l'Empire romain, on a tout refondé. Bon après voilà, si vraiment on veut y aller, on fait 2-3 petites guerres, on fait quelques guerres contre l'Empire là. Des guerres contre eux, contre les petits états là aussi pour récupérer, puis après on arrive au Ghana, ici pareil, on commence à récupérer là, puis après on va sur la Mésopotamie.
Bon, c'est métallurgie. De toute façon, je fous là, y a plus rien à faire. Tout en train de se convertir tranquillement à ma religion. On va partir de là. On ne risque pas grand-chose. Allez, moi ce que je vous propose, on va s'arrêter là pour la campagne. On pourrait continuer encore, mais il y aura pas de défi, il y aura plus rien à faire. Ce sera juste des guerres et qui seront ultra one-sided, donc il y a plus aucun intérêt dans cette campagne. Bon, après la Norvège, la Suède, le Danemark, Poméranie, Estonie. Comme lui, à peine 85 000. Il n'y a même pas 300. Ouais, avec ses alliés, ils ont à peine la moitié de mes troupes, quoi. Pareil, l'Empire Shoga, une fois que j'y arriverai, pas de résistance, il n'y aura rien du tout. Non, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Je pensais qu'on atteindrait ça après invasion mongole. Invasion mongole qu'on ne verra pas parce qu'on a carburé, on a bien charbonné avant. Donc c'est pas grave, mais au moins la victoire est à nous. La mer Méditerranée est officiellement de retour dans notre giron par rapport à tout ça. Je pourrais récupérer la Zaporodie, l'Ukraine pour faire simple. Le royaume de Zaporodji pour récupérer la mer Noire et la mer d'Azov dans son intégralité, mais bon, vu que c'est déjà quelqu'un que j'ai une alliance, d'un point de vue technique, c'est bon. Ah ouais, on va s'arrêter. Je regarde juste sur quoi on va partir comme jeu. J'hésite. Est-ce qu'on part sur un jeu de stratégie ou est-ce qu'on part sur un FPS? Est-ce que vous avez une préférence? S'il n'y a pas de préférence. Alors, je vais faire juste un cut du stream pour la rediffusion sur YouTube. Ne quittez pas. Ça va prendre juste quelques instants. Je quitte, je rends ce stream. Donc, on se retrouve tout de suite et on va partir sur un autre jeu.